Bonjour les élèves, c'est Monsieur Marc. Je voulais discuter avec vous de deux choses. D'une part, aujourd'hui, des possibilités que vous avez de reprendre votre apprentissage en ligne par rapport à ce qui avait déjà été fait avant de partir en vacances. Donc, si vous allez sur la channel YouTube, il y avait déjà sur cette channel des playlists avec des vidéos sur les sociétés anciennes. Ces vidéos sur les sociétés anciennes, c'est des vidéos qu'on allait visionner pendant le deuxième semestre pour trouver de l'information dans notre travail d'enquête en études sociales. Donc, vous pouvez toujours aller donc sur la channel, regarder les playlists quand vous voulez et continuer à faire votre recherche, notamment sur d'abord la société qui vous intéresse. Pour les quatrièmes années, on avait discuté, c'était fabriquer des maquettes, concevoir une maquette sur une société ou une civilisation de son choix et une construction en particulier. Et puis pour les élèves de cinquième qui travaillent sur la Nouvelle-France, on s'était orienté vers aussi des objets qui avaient été construits pour cette époque-là. Notamment, on avait parlé des bateaux des explorateurs. Et de faire des recherches sur les bateaux des explorateurs, ce qui nous permettait aussi de rechercher sur ces explorateurs, et des châteaux, les premières constructions qui avaient été faites en Nouvelle-France. Donc, mais vous pouvez continuer, en fait, vous pouvez continuer cette recherche-là. Il y a ces vidéos qui sont disponibles. Vous allez avoir de plus en plus de choses au fur et à mesure quand on pourra reprendre sur le OneNote. Sachez toutefois qu'il y a encore du travail pour nous pour la préparation et on n'a pas encore eu l'aval des directions et du ministère. Donc là, cette vidéo, je répète, c'est une initiative personnelle. Ça n'a rien à voir avec le Conseil Viamonde, rien à voir avec notre classe. Mais c'était juste pour que vous ne soyez pas perdus, que vous ayez un suivi et surtout une direction en fait. Pas vraiment un suivi, mais une direction. Voilà. Donc, au fur et à mesure, là, vous allez retrouver encore plein de choses sur le OneNote. Si vous voulez aussi vous mettre à la page par rapport à ce qu'on fait ou ce qu'on allait faire, il y a en mathématiques, en numératie, on allait commencer le travail sur les divisions. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel, en fait, vous pouvez déjà commencer. Notamment en allant regarder les vidéos que j'avais mises dans la section division numératie. Il y avait aussi le travail de littératie, la préparation des textes. Donc les articles ont été faits et puis je vous avais envoyé les corrections. Donc vous pouvez accéder, je vous ai mis un petit tutoriel pour accéder à vos outils via Monde, via Office 365. Donc là aussi, vous pouvez regarder sur votre mail votre rétroaction par rapport à l'article. Et la prochaine étape, c'était quoi pour nous? C'était les récits. Récits d'aventure, contes. Donc, contes, c'est la quatrième année. Cinquième année, c'est le récit d'aventure. C'est à peu près la même chose. On avait vu en classe, on avait fait des ateliers d'écriture sur le schéma narratif. Donc, reprendre le schéma narratif et essayer justement d'écrire une fiction. Vous pouvez vous inspirer de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a aussi un autre travail qui est intéressant à faire, c'est chaque jour de tenir un journal de ce que vous apprenez, de ce qui se passe, parce que comme on en a parlé hier, c'est une situation exceptionnelle. Et c'est intéressant si vous la documentez, si vous tenez chaque jour votre journal d'écriture en disant bah, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai appris, comment je vis ça, racontez vos émotions dans votre journal par rapport à cette situation de confinement. Enfin, dernière possibilité, dernier travail que vous pourriez commencer déjà, c'est le travail de recherche en sciences que j'avais prévu ou ce qu'on avait commencé à faire en programmation. Donc là aussi, il va y avoir des choses sur le OneNote assez vite. Que je vais pouvoir publier, que vous pourrez utiliser directement. Il y a plein de sites qu'on avait déjà visités. J'ai pensé ici à CoSpace, qu'on pourrait réutiliser, notamment pour faire des sciences et des maquettes.
Donc, allez regarder de ce côté-là. Peut-être que vous pouvez déjà vous créer un compte ou un compte. Ce ne sera pas un compte premium comme on avait l'année dernière, mais un compte basique. Mais il y a quand même des choses à faire dessus. Voilà. C'est juste une série d'idées. Et je vais bientôt arriver avec une lecture publique. À plus!